Bienvenue sur ma chaîne Virge, c'est moi. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo collaboration avec le site, la boutique One Day Saving. Donc le colis vient d'arriver à l'instant même. Donc aujourd'hui, alors je ne l'ai même pas ouvert, aujourd'hui nous sommes le 30 avril. Du coup, j'ai pris ma petite tablette avec moi. J'ai reçu le numéro suivi de la boutique One Day Saving, donc le mail. J'ai reçu le mail le 22 avril et aujourd'hui nous sommes le samedi 30 avril. Donc je trouve que ça a quand même été vachement vite, hein. À peine 8 jours, j'avais reçu le colis. Alors je me rappelle plus de tout, hein, n'est-ce pas? Donc on va regarder. Avant d'ouvrir, voilà. Donc, ils m'ont proposé des articles eux-mêmes et ils m'ont proposé également. Alors je vais vous descendre sur les mains. Donc, ils m'ont proposé quelques articles que je vais vous présenter et ils m'ont dit également d'en choisir quelques-unes. Donc, du coup, je vais vous montrer. Alors, je vais essayer de vous montrer dans l'ordre que c'est sur ma tablette. D'accord. Je ne savais pas trop ce que ça allait être. Ok. Donc, ils m'ont demandé si je voulais bien vous présenter ceci. Donc, je leur ai dit que c'était bien sûr avec plaisir, hein, parce qu'une collaboration, ça va pas que dans un sens. C'est pas tout en nous qui choisissons et eux, quand ils veulent qu'on présente quelque chose, c'est normal qu'à notre tour, on sache également leur dire oui. Donc, je vais donc vous sortir ça. Alors, vous voyez, c'est emballé comme ceci. Ah, c'est quand même assez épais. Donc, c'est un rouleau multifonction auto-adhésif 3D décoratif, bord, décoration, moulure, garniture pour un cadre. Donc, il existe en purple. Alors, je vous dis, hein, voilà, je vous dis ce qu'il y a sur le site. Donc, en violet, en marron, en jaune, en noir, en bleu, en gris, en orange et en gold. Et moi, ils me l'ont envoyé en blanc. Donc, comme vous voyez, c'est une moulure comme ceci. C'est vendu au prix de 3 euros. Alors, normalement, c'était 4,34. Et là, c'est vendu au prix de 3,77 € sur la boutique One Day Saving. Donc, voilà un petit peu le dessin. Vous voyez l'épaisseur. Voyez le dessin. Et en dessous, c'est du papier adhésif. Et ça colle plutôt super bien. Donc, ils disent 230 cm. Donc, vous voyez, là, il est enroulé en double. Vous voyez, là, c'est deux bandes. Enfin, il est enroulé sur lui-même. Donc, je vais vous montrer, je vais regarder la dimension, la largeur. Donc, c'est plastifié, hein. Ouais, c'est plastifié, c'est une moulure plastifiée. Alors, on va regarder un petit peu combien ça fait. Ça fait 4,5 cm. Donc, c'est 4,5 cm. Et en fait, vous allez me dire, ben ouais, enfin, on va pas mettre ça sur un épée. Non, en fait, tout simplement, quand vous avez terminé de réaliser votre DP, vous venez le fixer au mur. Voilà, vous venez le fixer au mur. Et au lieu de mettre, enfin, une fois que vous avez terminé votre DP, vous le nettoyez, hein, enfin, voilà, vous nettoyez, vous le vernissez. Une fois qu'il est verni, vous l'accrochez au mur, alors avec ce que vous voulez, hein, de la pâte à fixe ou des choses comme ça. Et puis, vous pouvez venir enrouler votre DP de cette moulure. Ça donnera une impression que le DP est mis sous cadre. Voilà. Pour celles qui ne veulent pas mettre de cadre, mais qu'elle souhaite mettre une petite moulure pour donner un effet, vous voyez, donc vous le coupez, limite vous le coupez en biseauté, hein, pour que le reprendre de l'autre côté en biseauté, et ça peut vous faire un cadre. Donc, ouais, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, tiens, ça peut être sympa pour un DP. Donc, bien sûr, bon, comme là, j'en ai un rouleau, il faut pas que tout le tour fasse plus de 2,30 m.
Hein, sinon, par exemple, un 30 sur 40, ça fait 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça fait 150 cm. Voilà, un 30, 40. S'il y en a vraiment 2 mètres 30, on est bon. Ouais, d'après moi, c'est ça, il y a 2 mètres 30. Hein. Donc, on est bon. Après, un mètre, 1 mètre 40, 1 mètre 80. Un 40 sur 50, c'est bon également. Faut en faire un. Donc voilà, donc ce petit truc, donc ce petit adhésif revient à 3,79 €. Donc je pense qu'éventuellement, pour un cadre reviendrait plus cher. Et je pense également que non seulement le cadre doit revenir plus cher, et en plus je pense que si vous coupez bien et que vous laissez un tout petit jour, enfin peu de choses, un autre 30-40, voilà, vous pouvez toujours laisser votre adhésif au même endroit et à l'intérieur, on va dire, changer régulièrement le DP de la même taille. Voilà. Bon, c'est sûr qu'il ne faut pas vouloir l'enlever. Je pense que ça doit abîmer la peinture. Alors, bon, moi, personnellement, c'est de la peinture. Excusez-moi, hein, c'est parce que je le range. Donc, bon, moi, c'est de la peinture. Donc, forcément, je pense que l'adhésif doit arracher la peinture. Donc, moi, si je le mets, je le poserai. Enfin, je mettrai un DP, je le poserai. Et à chaque fois que je voudrais changer mon DP, moi, ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre la pâte à fixe sur mon DP. Et comme ça, chaque fois que je veux changer mon DP, je remettrai la même taille. Un 30-40 à l'occurrence ou un 40 sur 50. Voilà, pour toujours être dans les mêmes, dans les mêmes dimensions pour que le cadre puisse toujours fonctionner. Parce que je pense que déjà, bah, une fois qu'il est déroulé, bah, pour le recoller, c'est mort, hein, parce qu'il y a des adhésifs à tenue. Et je pense que ça doit enlever également la tapisserie, je pense, ou la peinture. Donc je vous le redis vite fait. Donc c'est un rouleau de 230 cm adhésif, donc qui sert de bord. Donc je peux vous le montrer sur le site. Voilà. Voilà comment il présente. Alors je peux éventuellement essayer de vous montrer les autres couleurs. Voilà. Purple. Ensuite. Mettons dans votre sens. En marron. Voilà, pour faire vraiment un effet bois. En couleur jaune. Là, ça doit être en bleu. Donc, c'est un bleu, vous voyez, comme ceci, un bleu assez ciel. Ici, vous l'avez en gris. Ensuite, vous l'avez en blanc, c'est ce que je viens de faire. Et ici, vous l'avez en gold. Voilà. Donc, ensuite, il y a une petite vidéo. Enfin, pas une petite vidéo. Attendez. Hop. On va essayer de l'agrandir. Voilà. Donc ici, il vous explique comment faire votre. Bon, la tablette elle tourne. Il vous explique comment le découper pour vous faire la forme du cadre. Vous voyez, il vous explique. Donc le couper comme ça, hop, au ciseau. Alors prendre 4 cm. Donc vous prenez 4 cm, arrivez à 4 cm. Hop, vous venez couper comme ça à partir de 4 cm pour faire vos coins. Et en fait, voilà comment ils font. Et ils disent que il peut y avoir de l'eau dessus, ça ne bougera pas. Voilà. Donc ça peut être une alternative plutôt, je trouve sympa par rapport au cadre. Hein, ça peut être pas mal. Ça peut être une bonne alternative par rapport au cadre. Alors, je viens de perdre Hop. Alors, ensuite. Désolée, hein, je suis un peu longue. C'est vraiment de l'impro. Je viens de le recevoir. J'ai dit, allez, hop. On va le faire tout de suite.
On va le faire tout de suite, comme ça, ça sera fait. Ouais. Donc, ensuite, ils m'ont proposé un stylet comme ceci. Bon, on voit quand une vidéo n'est pas préparée. Voilà. Donc, ils m'ont proposé un stylet comme ceci. Donc, elle est dans une boîte, comme ça, en boîte en plastique. Voilà, comme ceci. Voilà, on vient tirer, hop, voilà. Et ensuite, bah, qu'est-ce qu'il a de spécial, ce stylet? C'est qu'il a déjà une cartouche dedans de colle. Donc, il a déjà sa cartouche de colle à l'intérieur. Ce stylet, donc, c'est une pièce de German Painting rotatif, colle, point, perceuse, stylo, une pièce avec cire. Donc, ce stylet est vendu au prix de 3,77 €. Il était à 4,31 €, il est passé à 3,77 €. Et il existe en rose ou en blanc. Mais sachez que vous pouvez également acheter les cartouches. Alors, je vous montre. Vous voyez, donc, il est comme ceci. Vous voyez. Et ici, on a comme une espèce de vis. Hein, on va dire ça, on a un pas de vis ici. On a un pas de vis qui est là. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Je pense pas. Donc ici, on a tout un pas de vis. Et en fait, il suffit de le tourner. Vous voyez, là, on ne voit pas encore bien la colle. Et il suffit de le tourner. Et voilà, on a notre colle. Donc, je pense qu'il ne faut pas le tirer plus, hein. Voilà, il faut juste, je pense, le laisser comme ça. Alors, je vais essayer sur un DP. J'essayerai également avec des diamants spéciaux pour voir sur lequel il va mieux. Mais effectivement, oui, et la colle est dure. C'est dur, c'est un bâton dur. C'est pas donc, je pense que ça doit bien attraper les diamants. Donc, voilà, il suffit de le... pas plus. Hein. Il y en a largement assez. Donc... Ce stylet, donc vous pouvez l'avoir en blanc ou en rose, au prix de 3,77 €. Mais je vais vous montrer. Voilà, vous pouvez également racheter les colles. Alors les colles disent que ça va rester aléatoire. Donc vous pouvez également avoir les colles en blanc ou en rose. Voilà, hein, où les, vous pouvez très bien avoir de rose, une blanche, une blanche, de rose. C'est vendu par 3, donc sur leur site. Et du coup, il est au prix... Bon, il commence à m'agacer. Cette tablette, elle commence à m'agacer. À tout en tourner, il va falloir que je la bloque. Et, alors, on va regarder pour les 3 glues. Les 3 glues sont à 2,82 €. Voilà. Alors, moi, je vais le tester. Je vais le tester. Et si ça marche, si ça fonctionne, je vais en acheter des glues. Alors, vous voyez, ici, vous l'avez en blanc. Voilà. Vous voyez, le site ne triche pas. Hein. C'est réellement les photos. Vous voyez. Et ça, vous les avez à 2 €. Vous voyez, le prix est écrit là, à 2,82 €. Donc, si ça fonctionne, moi, je pense que je vais m'en acheter plusieurs lots pour dire d'en avoir d'avance. Et même peut-être me racheter l'autre stylet. Voilà, comme ça, j'aurai un stylet d'avance et j'aurai des colles d'avance. Voilà, je pense que je vais faire ça si ça fonctionne. Donc, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo de ce que je pense de ce stylet. Donc, voilà. Donc, je vous répète, les pains de colle, 2,82 € et le stylet, 3 € et quelques. Ensuite, on va passer au troisième article. Alors, le troisième article, c'est ceci. Donc là, le petit stylo, on va le ranger comme ça. Ah, vous voyez, par contre, quand on le range, faire attention... Je pense pas que si on le retire dans l'autre sens, il rentre. Ouais, par contre, faire attention quand vous le rangez, parce que vous voyez, moi, je l'ai pris comme ça vite fait, j'ai un petit peu abîmé le début de la mine. Le troisième article, après, il n'y en aura plus qu'un.
Le troisième article, vous avez déjà dû le voir passer, c'est ce stylet. Ce qui commence à être un petit peu partout. On commence à le voir un peu partout. Donc ça, c'est moi qui l'ai choisi. Donc les deux articles que je viens de vous présenter, c'est One Day Ceiling qui m'avait demandé si je souhaitais faire un partenariat avec ces deux pour vous présenter ces deux petits articles là. Et j'ai également choisi ceci. Alors ceci, donc c'est dans un joli petit écrin noir. C'est pas du tout en plastique, ça fait bien qualitatif. La petite fleur qui est mise, vous voyez, qui est posée comme ça, vous voyez la petite fleur, vous pouvez même l'enlever. Voilà, avec le petit papier. Franchement, je trouve la boîte très très qualitatif. Et voici le stylet qui est mis comme ça à l'intérieur de la boîte. Voilà, comme ceci. Vous avez tous les petits en fer, tous les petits ustensiles en fer. Je vais vous les montrer après. Et vous avez également avec tous les petits joints. Voilà. Et voyez, c'est mis dans une espèce de papier enfin, c'est pas de la paille, hein, c'est du papier, mais regardez-moi ça, je trouve que c'est vraiment magnifique. Même pour offrir à quelqu'un, je trouve ça juste sublime. Donc, ce stylet, avec tous ses accessoires, il est au prix de 8,50 €. Alors, vous pouvez choisir les matériaux de la plume. Donc, vous pouvez choisir tous les matériels en plastique. Moi, c'est en métal. Voilà, moi, c'est du métal. Alors, vous avez le multiplaceur de 6 en métal. Vous avez également le multiplaceur de 9. Bon, moi, ça, je m'en sers pas. Vous avez la petite réglette. Alors, ça, c'est vraiment pas mal, la petite réglette en fer. Et vous avez également un multiplaceur de 3. Voilà. Et vous avez les deux embouts en fer. Donc, l'embout basique. Voilà, l'embout basique. Et vous avez l'antifatigue. Voilà, l'embout antifatigue. Ça, je trouve que c'est topissime. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, on va les laisser sur le côté. Donc là, il y a les petits joints. Donc ici, donc si vous prenez le stylet avec les 6... avec les 6... en fait, ils appellent ça matériaux de la plume. Il revient à 8,50 €. Ensuite, on va regarder en plastique si vous les prenez. Si vous prenez tous ces ustensiles ici en plastique, vous les trouverez au prix, donc vous paierez l'ensemble au prix de 6,61 €. Donc le stylet, tout. Hein. Si vous prenez la boîte, le stylet, plus tous ces petits ustensiles-là, mais en plastique, vous les avez à 6,61 €. Si vous les prenez en métal, vous les avez à 8,50 €. Ensuite, si vous prenez les petits ustensiles, plus le stylet sans la boîte, là sans, vous ne la prenez pas. Sans la boîte, avec les ustensiles en métal, vous paierez 7,56 €. Si vous prenez le stylet, les petits ustensiles en plastique sans la boîte, vous les paierez 5,66 €. Voilà. Et ensuite, vous pouvez également faire un set comme ceci, où vous avez le stylet, des barquettes, le petit truc, vous savez, autocollant, là, sur lequel vous pouvez poser votre barquette, enfin, autocollant, adhésif, on va dire, enfin, ça s'enlève. Les petits pains de colle, le stylet, les barquettes, etc., en plastique, vous paierez 7,56 €. Si vous le prenez en métal, vous paierez 9,45 €, mais vous n'avez pas la boîte. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Alors, maintenant, on va l'ouvrir. Alors, j'ai vu hier une youtubeuse qui avait fait une vidéo où elle est arrivée cassée. Oh, j'étais franchement déçue pour elle. Bah, écoutez, moi, j'ai l'impression qu'il est quand même bien qualitatif. Il est beau. Il y a
Regardez. Vous voyez, il y a tous des petites perles comme ça, on dirait bientôt des AB, tous des petites perles comme ça blanches. Et entre deux, vous avez tout des rangées de strass argentées. Voilà. Et le stylet est doré. Donc ça, je sais que ça ne sert à rien. Voilà, ça sert à rien, ça fait juste joli. Alors, vous pouvez également l'attacher, hein. Voilà, mais bon, je vois pas trop le truc de l'attacher, on va pas s'en faire un collier, on est d'accord. Et ensuite, ici, vous venez tirer dessus, tout simplement. Vous venez tout simplement tirer dessus, et ensuite, vous tournez, et vous faites sortir un bout du stylet. Vous savez, les stylets roses qu'on retrouve partout. Et donc, moi, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mettre celui-ci dedans, le basique. Voilà, il est rentré dedans. C'est impeccable. Et voilà, je peux donc diamanter. Et du coup, bah, le stylet n'est pas très lourd. Enfin, ça va, je veux dire. J'ai déjà eu des stylets beaucoup plus lourds. Et vous avez, donc vous ne diamantez pas en tenant cette grosse partie lourde. Vous diamantez en tenant cette petite partie-là. Donc, ça peut être... Ouais, je le sens que ça peut être vraiment pas mal. Donc, ouais. Alors, le seul truc, c'est que quand vous le rangez... Attendez. Oups. Je veux pas se refermer. Ah, voilà. Le seul truc... Alors, il y a deux solutions. C'est soit que vous ne remettez pas le capuchon et vous laissez votre stylet comme ça et vous rangez votre capuchon ailleurs pour dire de pas toujours le remettre... Ou alors, bah, à chaque fois, il faut que vous enleviez votre mine pour pouvoir refermer votre stylet et vous ranger votre mine ailleurs. Moi, personnellement, quand je l'utiliserai pour faire un DP, ce que je vais faire, c'est que je laisserai dedans. Clairement, je le laisserai dedans. Voilà. Oups, c'est un pli à prendre. Je le laisserai comme ça dessus et ça, je le rangerai quelque part. Et une fois que j'aurai terminé mon DP, que j'ai envie de passer à un autre stylet, là, je le renlèverai pour le ranger. Et ces petits ustensiles, je vais les ranger à part. Je vais les remettre dans une petite boîte et je les rangerai à part. Alors, à quoi servent tous ces petits joints? C'est à force, vous savez, de les enlever, etc. Ici, on a deux joints sur les... Et c'est juste pour dire de les mettre, voilà, au cas où les joints ne tiendraient plus. Vous savez, à force, ça ne tient plus à force de les enlever et les remettre. Donc, ils nous mettent des joints avec. Bon, j'ai Tango. À chaque fois que je fais une vidéo, maintenant, je crois qu'il a décidé de me pourrir la vie. Voilà. Et ici, bah, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien du tout. Alors, soit vous mettez à la place, vous en servez. Si vous voulez pas vous en servir comme stylet parce que vous trouvez que c'est trop lourd ou quoi que ce soit, vous pouvez très bien vous en servir rien que comme raquette. Mais bien sûr, bah, vous ne pouvez plus le refermer. Pourquoi faut l'enlever? Donc, moi, là, je vais le tester. Hein. Voilà, j'ai pas mal de petites choses du coup à tester. Donc, comme je vais le tester, bah, je vais le laisser dessus. Alors, vous voyez, mais même en l'enfonçant correctement, vous voyez, il s'enlève sans problème. Donc, je vais le laisser comme ça. Voilà. Et le quatrième article. Tango, ça suffit. Tango est pas content. Tango veut aussi. Tango veut aussi faire une vidéo. Oui. Je suis désolée, hein, franchement. On dirait qu'il fait exprès. Hein. À chaque fois que je tourne une vidéo, alors que 5 minutes avant, on ne l'entend pas. Et donc, moi, j'ai également choisi un DP. Voilà. Donc, le DP. C'est celui-ci en diamant carré. Alors, c'est les deux petites filles. Il y a un moment qu'elle me fait de l'œil, cette toile. Et là, j'ai dit, allez hop, je la prends. Donc, en toile coulée, hein, puisque c'est un plastique transparent. Elle colle bien. Ouais, elle colle bien. Je l'ai prise en diamant carré. Parce que là, du rond, je commence à en avoir un petit peu marre. Donc, c'est une 30 sur 40, je pense, avec les bords. Hein. Ouais. Donc, du coup, la toile fait 33,5
sur 24. Voilà. Elle est vraiment très, très jolie. Là, le petit, la petite, donc le toolkit, c'est la petite barquette verte, la petite barquette verte, le pain de colle, le stylet. Alors, donc, c'est une 21 couleurs. Donc, vous n'avez pas de feuille de route. Vous avez ici, donc, le petit schéma qui se trouve en haut et qui se trouve de l'autre côté en bas. Donc, vous retrouvez les numéros de 1. Donc, elle a 21 couleurs. Donc, vous retrouvez la petite table ici. Bon tango ! De 1 à 21 couleurs ici. Ensuite, vous retrouvez les symboles. Et ensuite, vous retrouvez les références DMC. Donc, vous avez que des lettres. Voilà, vous n'avez que des lettres. Ensuite, bon, je reviens. Bon, voilà, je lui ai donné un jouet, parce que là, ça devenait juste insupportable. Donc, on reçoit les sachets en ribambelle. Sur les sachets, vous retrouvez le numéro qui se retrouve ici, donc comme là, en l'occurrence, le 21, qui est du 3865, donc DMC 3865. Et vous avez le numéro de la toile qui est ici, ZXF, non, attendez, F, ah bah là, ils mettent pas le ZX, et ensuite, ils mettent le FZO70. Voilà, donc vous retrouvez tout ça, toutes ces petites infos sur les sachets. Donc, vous les... Alors, à part le blanc qui est tout seul, à moins qu'il y en aurait deux, et tous les autres, c'est des sachets comme ça en ribambelle. Donc, vous avez différents gris. Ouais, il y a beaucoup de gris. Vous avez différents gris. Vous voyez, comme vous pouvez voir. Bon, là, il y a un rose, un vieux rose. Et là, c'est tous des gris différents. Ensuite... Voilà, on a du bleu, on a un beige, un couleur un peu pêche, encore un autre gris, un marron, encore un autre gris. Ah ouais, décidément, un tout petit peu de rose. Encore d'autres gris. Ah ouais, il y a beaucoup de gris quand même. Je vais vous montrer du coup la photo. Alors, cette toile, vous pouvez... donc cette toile, vous l'avez en diamant carré. C'est une 30 sur 40 avec les bords. Vous la retrouvez au prix de 8,08 €. Je vais donc vous montrer ce qu'elle donne. Regardez. Franchement, elle n'est pas juste magnifique, cette toile. Moi, je la trouve splendide. Écoutez, ça fait un moment que je la vois. Puis je me dis, non, Virginie, non, Virginie. Et là, quand la boutique One Day Saving m'a contactée, et qui m'ont dit de choisir deux articles, enfin si je pouvais leur présenter deux articles et en choisir deux autres, j'ai dit allez, tant pis. En plus ça faisait pas longtemps que je la voyais, mais je la voyais souvent. Je me suis dit ah non, allez, cette fois-ci je la prends. Donc voilà cette jolie toile, donc qui est au prix de 8 €, qui est au prix de 8 €. Voilà. Donc, eh ben, dites-moi si vous avez déjà testé des produits là que je viens de vous présenter. Dites-moi s'il y a des choses qui vous feraient envie dans ce que je viens de vous montrer. Hop, on va tout ranger là-dedans. Je vais essayer de faire la toile assez rapidement. Je dis bien essayer. Pour vous donner mon avis sur les diamants carrés de la boutique One Day Saving. Alors, j'espère que ma petite vidéo partenariat vous aura plu.
Je remercie la boutique One Day Saving pour leur confiance, pour m'avoir envoyé cette jolie toile, ce joli stylet avec tous ces petits embouts. Voilà, avec tous ces petits embouts. Ce petit encadrement pour toile. Et également ce joli stylet. Je recommanderai chez eux rapidement. Les autres, si je vois que ça fonctionne bien, donc je vais essayer de vous dire régulièrement ou regarder dans ma communauté ou sur le groupe ou sur Instagram, je vous dirai ce que j'en pense et je vais tester, je vous dirai ce que j'en pense, je referai une vidéo éventuellement en le testant et je vous dirai ce que je pense de l'un comme de l'autre et si ça fonctionne bien, je vous dis, moi personnellement avec mes petits sous, je me rachèterai l'autre, le blanc, et je me rachèterai quelques recharges pour pouvoir les changer. Donc après, je pense que pour les changer, ouais, ça se dévisse, vous voyez, ça, il y a un autre pas de vis. Voilà, donc il faudra tout simplement le glisser dedans, vous voyez, et puis vous remettez ça qui sert de pas de vis, et puis c'est lui qui va le pousser, en fait, hein, au fur et à mesure que vous avancez. Voilà, donc ça ne doit pas être très grand, hein, ça doit arriver là, je pense. Et puis, je ne le trouve pas si lourd que ça, au final. Donc, plus lourd qu'un stylet rose normal, hein, on est d'accord. Mais je trouve que ça va encore. Donc, je vais tester ça, et si ça fonctionne, j'en rachèterai, et je vous en reparlerai. Voilà, sur ce, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye tout le monde !